L'honorable député de la Lévis-Lobinière. Monsieur le Président, la commissaire au conflit d'intérêts et à l'éthique a jugé très sévèrement la chef de cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Cette dernière ne peut pas discuter de tous les dossiers liés aux œufs. Cela touche donc les importants dossiers de la gestion de l'offre et du partenariat transpacifique. Monsieur le Président, pourquoi le ministre souhaite garder sa chef de cabinet en poste alors qu'elle a les mains liées par ses intérêts privés? Madame la ministre de l'Agriculture, merci, Monsieur le Président. Une fois encore, je peux vous dire que ma chef de cabinet est une citoyenne remarquable, dotée d'une expérience approfondie en agriculture. Elle a satisfait à toutes les exigences fixées par le commissaire au conflit d'intérêts et elle respectera toutes les consignes qui lui seront émises. On ne saurait être plus clair. Je suis chanceux de la compter à mes côtés.